We are resuming the meeting. So we have before us now Mr. Chidley Belkoja, professor at the School of Community Public Affairs and director of the Center for Policy and Immigration Studies at Concordia University. We have as a guest, Mr. Richard Bourris, emeritus professor from the Department of Psychology at l'Université du Québec à Montréal. And finally, we have also as a witness, Mr. Jack Jedwab, president and CEO of the Association for Canadian Studies. So welcome to our committee. We will be happy to hear your presentation, and then we'll have a question and answer period with the senators. So we'll start with Professor Belkoja. The floor is yours. Oh, you are on mute, Senator. Vous êtes en sourdine. Oui. Merci. Désolé. J'étais donc je voulais vous remercier de m'inviter donc pour cette rencontre du comité. J'aimerais tout simplement dire à quel point l'importance du dossier de l'immigration francophone est capitale. C'est un dossier que je connais bien, ayant grandi à Moncton au Nouveau-Brunswick. J'ai pu voir à quel point le paysage de cette ville a changé. Quand on pense diversité ethnoculturelle marquée par l'immigration, on pense aux résidents permanents, on pense aux multiples réfugiés qui sont venus à Moncton. Je pense à 2015 avec l'arrivée des réfugiés syriens et aussi les étudiants étrangers. Donc, c'est évident que ce dossier a pris de l'importance et dans le contexte surtout des communautés hors Québec, notamment par la dimension démographique, donc l'importance que l'immigration francophone joue dans le poids démographique des communautés, et aussi par la question de la vitalité, donc le concept de vitalité, qui est un concept qu'on peut mesurer, mais qui a aussi cette dimension, je dirais, non mesurable, qui est plus difficile, plus fine, ce qui fait société. Donc l'apport de l'immigration pour moi, et comme chercheur, je dirais que ça a été beaucoup aussi de comprendre un peu finalement l'apport de l'immigration à l'épanouissement d'une petite société, d'une société minoritaire comme celle du Nouveau-Brunswick, l'Acadie, ou même d'autres terrains de recherche que j'ai pu faire dans plusieurs parties du pays. Donc je dirais qu'il faut encourager les efforts en immigration francophone, notamment la stratégie fédérale. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites sur le terrain, des initiatives que j'ai moi-même documentées, comme tout ce qu'on voit autour du développement de communautés accueillantes. 14 communautés accueillantes francophones à travers le pays sont en train d'expérimenter, on va dire, entre guillemets, avec des pratiques, des initiatives en immigration. Donc, il faut vraiment voir l'apport de l'immigration dans le prisme de la vitalité communautaire. Et je dirais aussi, et ça a été dit par QCGN, par rapport aussi à la notion du sentiment d'appartenance des personnes migrantes. On parle beaucoup de vitalité de façon peut-être sociétale, mais aussi la question du sentiment d'appartenance des personnes elles-mêmes qui viennent s'installer dans un milieu. Et c'est un peu dans ce contexte-là que je terminerai ma petite introduction en parlant peut-être de quelques considérations à partir de l'expérience du Québec. C'est en fait de là où je me situe depuis 10 ans. Et je me pose souvent la question sur la place que peut jouer l'immigration dans l'épanouissement d'une communauté en situation minoritaire, la communauté anglophone du Québec. Comme on l'a dit, c'est peut-être plus délicat pour des raisons politiques, mais le Québec est une société qui évolue beaucoup à partir de l'immigration. On a parlé de nombre de résidents permanents, mais on parle aussi de formes temporaires, d'étudiants étrangers, de travailleurs temporaires, de demandeurs d'asile. Donc, toute cette réalité du terrain, elle est essentielle à comprendre. Il y a des besoins de recherche qui sont importants à approfondir sur ces dynamiques migratoires dans le contexte anglophone minoritaire. Comment donc l'apport des étudiants, par exemple, beaucoup d'étudiants viennent dans plusieurs universités anglophones du Québec, souhaitent rester au Québec et parfois sont obligés de quitter le Québec. Et ça, j'ai entendu ça même de mes propres étudiants, des étudiants gradués, des étudiants qualifiés qui ont parfois des difficultés à rester au Québec et qui ne se sentent peut-être pas vraiment appartenir aussi à cette société-là. Je dirais qu'il y a aussi tout un travail à faire au niveau des services. Et on sait que depuis quelque temps au Québec, il y a une,
une dynamique migratoire, comme on a entendu, complexe, avec l'arrivée de différents statuts, et il y a des besoins en termes d'accompagnement, de services pour ces populations immigrantes. Alors, je dirais qu'il faut s'inspirer, moi je dirais finalement, de la stratégie nationale en immigration francophone pour le Québec, pas nécessairement le volet recrutement, mais le volet intégration et établissement. Qu'est-ce qui se fait en immigration francophone d'intéressant qui pourrait être, pas je dirais pas copié, mais qui pourrait inspirer en fait une approche aussi au Québec pour développer des projets autour d'une immigration vers les communautés anglophones. Je pense au concept, par exemple, de communauté accueillante, en régionalisation de l'immigration. Il y a des choses intéressantes qui se passent au Québec en régionalisation. On parle beaucoup de régionalisation dernièrement pour des raisons économiques, mais il y a aussi un tissu communautaire régional et les communautés anglophones sont bien conscientes. En milieu urbain, quand on parle de diversité et d'enjeux d'inclusion, je pense qu'il y a aussi beaucoup à comprendre de la réalité québécoise. Donc, finalement, je parle plutôt d'un écosystème de l'immigration dans un contexte minoritaire. C'est quelque chose qui a été très bien, et quand je pense à mes plus de 20 ans que je travaille cette question-là en francophonie, on a beaucoup parlé d'un écosystème, d'un écosystème qui se construit du départ jusqu'aux enjeux de rétention. Alors, comment on peut imaginer aussi un peu une approche pour la réalité du Québec? Je vais peut-être m'arrêter là pour le moment et je reviendrai dans la période de questions. Merci, merci beaucoup, Monsieur Belkocha. Maintenant, la parole est à Monsieur Bourris. The floor is yours. You're on mute, sir. OK. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Très bien. Ça va? D'accord. Alors, bonjour, High Comité sénatorial des langues officielles. Mon témoignage concernant votre étude sur l'immigration porte sur ces enjeux du point de vue des minorités anglophones et allophones du Québec. En tant que psychologue social québécois, je vous offre mon évaluation des enjeux collectifs que vivent les minorités anglophones et allophones face à la majorité francophone du Québec. Alors, I'll continue in English parce que je l'avais préparé en anglais, là, je ne connaissais pas trop les paramètres. Quebecois majority governments undermine the institutional vitality of the English-speaking communities of Quebec in many ways in the last 45 years. In 1977, Bill 101 restricted access to English primary and secondary schools. As planned, the size of the English school system dropped to only 37% of its original size by 2018. That's a big drop. The CAQ government adoption of Bill 40 in 2020 abolished French and English school boards. English school boards were spared abolition in a pending court case. The CAQ government adopted Bill 96 in May 2022, using numerous clauses freeze on access and size of the five English CJEPs. Prime Minister François Legault said, Anglo mother tongue population in Quebec is 8%, so they will get only 8% of places in Anglophone CJEPs from now on. The CAQ government in 2023 planned French-only international immigration. Quebec will compete head-on against Francophone minorities in the rest of Canada for French immigrants. Immigrants and refugees to Quebec, of course, can only get access to French schools. These laws require Anglophone and Allophone indigenous communities to reconsider their prospects as linguistic and cultural minorities in Quebec. Here are five vitality clarification issues worth discussing. One, Anglophone and Allophone minorities who stayed in Quebec have proven that they accept the imperative of maintaining the status and use of French. In 1971, only 37% of Anglophones were bilinguals. By 2016, Anglophone bilinguals grew to 70%. Today, 95% of the Quebec population has a knowledge of French. The English-speaking communities of Quebec are not responsible for the substantial status and spread of the English language in the world, including within Canada and Quebec. In North America, French will always be a minority language relative to English and Spanish.
eroding the institutional vitality of the English-speaking minority will never be sufficient to neutralize the international drawing power of the English language for francophones and allophones in Quebec. Two, Quebecois francophone national discourse invokes a threat to the French language from the presence of the English language spoken by anglophone and allophones in Quebec. CAC Quebecois francophone discourse invokes this threat to the French language as justification to erode the institutional vitality of the English-speaking communities of Quebec. The CAC government laws reducing access to English schools and CEGEPs illustrate how the francophone majority can use its minority status at the Canadian and USA level to justify eroding the minority English educational system at the Quebec provincial level. Three, Quebec laws restricting the vitality of the English-speaking communities of Quebec are legitimized rhetorically by invoking that Quebecois francophones are a fragile majority in the province. Can a formally subordinated majority, such as Quebecois francophone, admit that it has gained linguistic, political, institutional, and economic dominance within its own territory of Quebec? Can Quebecois francophones accept a paradigm shift by reframing their status position from a fragile majority to that of a dominant majority? Quebecois francophones are a dominant majority imbued with the psychology of a besieged minority, armed with all the tools of the Quebec state. This puts anglophone, allophone, and indigenous minorities in a precarious position situation under the CAC Quebecois nation government. Four, can Quebecois francophone dominant majority develop the cultural security to view its own linguistic minorities as a responsibility rather than as a threatening suspect liabilities? Can Quebecois francophones reframe anglophone, allophone, and indigenous minorities as assets contributing to the economic and cultural diversity of Quebec? Such reframing will make anglophone, allophone, and indigenous minorities feel more accepted in Quebecois majority society. Quebecois francophones acting as a secure dominant majority could view investment in the institutional vitality of its linguistic minorities as building social cohesion and enhancing the adaptability of Quebecois society within the North American economy. Five, indigenous anglophone, allophone minorities have the right to consider Quebec as their homeland as much as do francophone majority. All pay taxes and have Canadian citizenship rights. Indigenous anglophone and allophone communities built many of their own institutions in Quebec over the centuries. They have the collective right to protect and develop their languages, cultures, and institutions, this without being stigmatized and excluded as traitors to the Nation Québécoise. Leaders of the anglophone, allophone, and indigenous communities have the right to develop the organizations they need to promote their defense and development of their institutional vitality in education, health and social services, the judiciary, municipalities, politics, the economy, cultural and sport industries, and within Quebec public administration. To conclude, Quebec anglophone, allophone, and indigenous communities have the right to have their own mother tongue and culture as pillars of their socio-affective identity, as unique and universal as the French language and culture is for the Quebecois francophone majority. Quebec indigenous anglophone and allophone minorities, along with francophone majority, have the right to endorse multiple national, cultural, and linguistic identities, including to Quebec, to Canada, and other nations without stigma or exclusion. Finally, Quebec anglophone and indigenous minorities are as much part of la nation québécoise as are the francophone dominant majority. All have equal rights and duties as citizens of Quebec and Canada. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Boris.
So now the floor is, I give the floor to Mr. Djedwab. La parole est à vous. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Je désire commencer en parlant plutôt des généralisations par rapport à l'immigration insister sur le besoin de sensibiliser la population aux enjeux en tenant compte de la réalité de l'immigration au Canada. On n'entend pas assez souvent des présentations plutôt nuancées par rapport à la réalité à laquelle fait face les immigrants. Et ce que nous avons tendance à entendre, que ce soit au Québec et au Canada, c'est le désir de l'État vis-à-vis de l'immigrant et non pas nécessairement le désir de l'immigrant face à la société à laquelle il a l'intention de s'intégrer. Dans ce sens-là, je pense que le récent recensement sur lequel on base de nombreux débats, on les base en fonction de la quantité de l'immigration et non pas nécessairement de la qualité de l'expérience de l'immigrant, on constate qu'il y a de plus en plus d'immigrants qui se définissent en termes multiples. Les identités multiples sont en vaste augmentation, telles que reflétées dans le recensement, très souvent en fonction de l'apport de l'immigration, tel que l'immigrant répond à la manière dont nos recensements sont formulés en termes de mesure de leur identité linguistique ou leur identité ethnoculturelle ou ethno-raciale. C'est important de ne pas généraliser et de fournir à la population une information, comme j'ai mentionné tantôt, qui est plutôt nuancée. Monsieur Belcoge a mentionné, par exemple, il y a diverses catégories de dans l'immigration, que ce soit l'immigration économique, que ce soit la réunification familiale, les réfugiés, ainsi qu'une classe d'immigrants qui est en vaste augmentation, c'est l'immigrant temporaire. Et ça veut dire quoi, un statut temporaire? On n'explique pas suffisamment ce que ceci veut dire. Alors, au Québec, on a constaté quand notre premier ministre, M. Legault, avec tout le respect qu'on le doit, moi je le respecte beaucoup, a parlé de l'importance de diminuer l'immigration en termes de chiffres réels afin d'intégrer correctement, si on veut, en matière linguistique, les nouveaux arrivants, en donnant l'impression que justement le problème en matière des nouveaux arrivants est leur niveau de connaissance du français et leur désir d'apprendre le français constituait un problème. La réalité, c'est qu'au même moment que M. Legault et le gouvernement du CAQ a diminué l'immigration juste avant la pandémie, le nombre d'immigrants temporaires a vastement augmenté. Ceci n'était pas quelque chose à laquelle la société québécoise était au courant. Et ceci s'applique aussi pour le reste du Canada qui n'était pas non plus au courant des augmentations importantes dans le niveau d'immigration temporaire parce que très souvent, c'est l'industrie qui insiste sur une augmentation de niveau de l'immigration temporaire. Alors, pour résumer, je pense qu'il y a une large sensibilisation à faire au Québec et au Canada quant à l'immigration et ne pas parler de l'immigrant versus les non-immigrants parce que dans tous les deux, si on veut, grandes catégories, il y a beaucoup de diversité interne, pas juste diversité linguistique, mais diversité ethno-culturelle, ethno-raciale et de l'intersectionnalité en termes de cette diversité où justement on devrait être sensible. On ne peut pas juste fixer sur l'identité linguistique de l'immigrant, même si ceci est important et je comprends qu'en termes de minorité, c'est le mandat de ce comité d'explorer comment contribuer à la vitalité de nos minorités et ceci passe par une meilleure collaboration, non seulement entre gouvernements, mais entre communautés linguistiques. Alors, pour conclure, dans le cas de la communauté anglophone, c'est mieux au Québec ou ailleurs au Canada, où il y a pas mal de sensibilisation à faire, de les mettre à bord et de les faire comprendre l'importance de supporter la vitalité des communautés. Je sais, parfois, on voit les sondages et c'est décourageant en termes des attitudes, mais il faut redoubler nos efforts, si c'est le cas, afin de sensibiliser la population. Et comme mes collègues de QCGN ont dit, ils sont très ouverts à collaborer afin d'atteindre les objectifs de la société dans son ensemble. Alors, j'arrête là et
vais prendre des questions après, comme mes collègues. Merci beaucoup, Monsieur Jed Wab, et merci aux témoins. Nous allons donc maintenant commencer la période de questions, et je donnerai d'abord la parole à Madame la sénatrice Meji. La parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Bouris, puisque votre collègue de l'autre PADEL nous avait dit si on avait besoin de chiffres et de données, de nous adresser à vous. Je voulais savoir si la population anglophone croît proportionnellement au reste de la population. Comment elle varie? Parce que j'ai entendu que nous, d'autres témoins, que ce n'est pas si fragile que ça. Vous, vous avez dit que c'est une minorité fragile, mais en termes de nombre, pouvez-vous nous justifier, puisque les deux croissent, les deux populations croissent. Alors, c'est quoi la proportion de leur croissance? Est-ce que l'une croît plus vite que l'autre? C'est-à-dire les anglophones croissent plus vite que la population en général? Vous avez les chiffres. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Jenny, est-ce que tu veux en parler? Richard, je vais intervenir. La question a été posée, la question t'a été adressée à toi. Oui, a été adressée à vous, M. Bouris, mais bon, qui veut répondre alors? Alors, M. Bouris, est-ce que vous êtes en mesure de répondre? Ça dépend de... Il y a comme deux mesures, hein? Le First Official Language Spoken et la langue maternelle. Là, des fois, il y a des conclusions différentes qu'on a par rapport à ces deux indicateurs-là. Là, je vais laisser la parole à Jack parce qu'il en fait souvent là-dessus. Alors, en fait, juste pour rejoindre la réponse de Richard, il y a trois indicateurs en termes de déterminer la population de langue anglaise. Langue maternelle, langue parlée plus souvent à la maison et le premier langue officielle parlée. Chacun de ces indicateurs donne lieu à un vaste écart, même de 500 000 personnes entre langue maternelle anglaise et première langue officielle parlée anglaise. Si on regarde langue maternelle anglaise, dans le recensement 2016, il y avait à peu près 600 000 anglophones. Il y a maintenant 638 000 anglophones. C'est une augmentation de 38 000 personnes en 5 ans, 7 000 personnes par année. Je ne considère pas que ceci est une augmentation importante, et ceci est largement dû, en passant, à l'immigration temporaire, parce qu'un important pourcentage de ces immigrants temporaires qui sont anglophones de langue maternelle, que le gouvernement du Québec semble être beaucoup moins concerné parce que l'industrie avait besoin de l'immigration. Ce qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que si on veut le bassin des immigrants sur le plan international ne se prête pas nécessairement à maximiser le nombre de francophones quand le besoin porte sur les atouts économiques de l'immigrant. Alors, ça, c'est d'une part. D'autre part, la langue officielle parlée que justement le QCGN utilise, moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec l'utilisation de cet indicateur pour estimer la population anglophone, mais parce que ça donne lieu à maximiser le nombre d'anglophones. Alors, les gens qui viennent, par exemple, des Philippins, qui parlent, c'est quoi la langue encore? Philippins, pas Philippins, c'est le Cata... aide-moi. Anyway. C'est eux, ils vont dire première langue officielle, c'est l'anglais. Ils figurent dans la communauté anglophone par rapport à cette utilisation de première langue officielle parlée. Est-ce que les augmentations sont extrêmement importantes? Tout est relatif. En chiffres réels, la communauté francophone a aussi augmenté. Alors, ça devient une question de pourcentage. Naturellement, et je vais terminer là-dessus, si 80% de l'immigration est de langue maternelle autre que l'anglais et le français, qui est le cas, 5% c'est anglais et 15% c'est le français. Naturellement, quand 80% est de langue maternelle, ni anglais ni le français, le pourcentage de francophones, notamment à Montréal, va inévitablement diminuer. Mais c'est le gouvernement du Québec qui a besoin de l'immigration et le bassin de l'immigrant pour qui la première langue, la langue maternelle, le français, n'est pas nécessairement disponible. En termes de répondre aux critères économiques que aussi désire le Québec ainsi que le reste du Canada en matière de sélection de l'immigration.
Merci. J'ai une autre question. Allez-y, allez-y, Madame la sénatrice. Encore sur les données par rapport au couple exogame, c'est-à-dire un francophone qui est en couple avec un anglophone et qui donne naissance à des enfants. Les enfants issus de ces couples-là, eux, ils ont le droit d'accès à l'enseignement en anglais. Donc, ça fait encore augmenter le nombre en termes de population anglophone, bien que dans la population, il paraît qu'il y en a qui choisissent aussi le français comme langue. Qu'est-ce que vos données vous disent au niveau de cette couche de population? Qui voudrait répondre à cette question-là? Alors, M. Bourré, êtes-vous en mesure de donner de l'information? Vous êtes en sourdine, M. Bourré. Ça varie beaucoup. D'accord. Allez-y, monsieur. Oui, ça varie beaucoup, justement. C'était intéressant, parce que dans le dernier recensement, il y avait comme un important virage en termes de couples exogames qui était sans parallèle dans l'espace de 5 ans, qui a donné l'impression que ces couples-là ont viré vers l'anglais à niveau massif. Mais je questionne, j'ai l'impression que ceci est dû au changement dans les questions de recensement. Justement, j'ai commenté là-dessus publiquement et je pense qu'il faut faire attention avec les données qui, de 2021 à cet égard notamment. Mais ceci dit, ça varie beaucoup entre Montréal et le reste du Québec, entre si la mère est francophone ou le père est anglophone, il y a pas mal de variations. Ceci dit, c'est vrai que dans les couples exogames, où justement il y a l'opportunité pour l'enfant d'étudier en anglais, ceci était une source importante, notamment à l'extérieur de Montréal, pour les effectifs scolaires dans le réseau anglophone. Il a beaucoup diminué dans les récentes années, mais c'était une importante source d'augmentation. Mais je pense que tout ceci, en passant, témoigne d'un désir de la population, notamment la population francophone, d'apprendre l'anglais. Et on a vu une augmentation importante, le dernier recensement, très important même, auprès des francophones, dans leur degré de bilinguisme. Je trouve qu'à Montréal, le bilinguisme est incontournable. Je comprends que certaines personnes trouvent le bilinguisme comme une menace pour le français, mais c'est une réalité incontournable à Montréal. Il faut savoir comment le gérer, autre que le traiter comme une menace pour si on veut la vitalité de la langue française. Merci. Une autre question, cette fois, c'est pour M. Bourris, qui a dit tout à l'heure que... Oui, oui, et je vais laisser M. Bourris prendre la question. C'est ça. Qui a parlé d'une érosion de la vitalité de la population anglophone par le fait même de toutes les lois de ce qui se passe au Québec. À la lumière de tout ce que je viens d'entendre là, je ne le vois pas. Et si j'ai bien écouté Mme Martin Laforge, qui nous a dit quand même que la population anglophone croît au lieu de décroître, pourquoi vous avez parlé? J'aimerais savoir plus d'explications sur les raisons qui font que vous dites qu'il y a une érosion de la population anglophone si le Québec continue d'augmenter sa population d'immigrants francophones. Alors, dans le système anglophone primaire et secondaire, okay, grâce à la loi 101, le nombre d'élèves dans le système scolaire anglophone en 71 était de 171 000 élèves. Et en 2018, il n'était plus que de 52 000. Mais sur l'ensemble des populations dans les systèmes scolaires, on est passé, en fait, de 256 000 élèves dans le système scolaire, toutes langues maternelles confondues, à 96 000 en 2018. Et donc, on est à 37 % des effectifs d'avant la loi 101. Alors, pour les anglophones, ce qu'ils ont vu, c'est une décroissance de leur système scolaire de 256 000 étudiants à 96 000. Ça, c'est une décroissance substantielle qui a eu un impact non seulement sur le nombre d'élèves,
Mais le nombre de personnes qu'on peut embaucher pour enseigner en anglais, pour administrer les écoles et même nettoyer les écoles. Donc, il y a eu un grave déclin du système scolaire anglophone au Québec. Et là, depuis l'élection de la CAQ, on veut aussi réduire l'accès des francophones et des allophones dans les cégeps. Et donc, ça aussi, ça va réduire éventuellement, à mesure que la loi 96 s'applique, l'accès des francophones et des allophones dans le système scolaire anglophone des cégeps. Et donc, comme monsieur le premier ministre Legault l'a dit, la croissance va être limitée à 8,3% parce qu'en général, le gouvernement du Québec préfère utiliser la langue maternelle pour comptabiliser la présence des anglophones au Québec plutôt que la première langue officielle parlée, parce que la première langue officielle parlée donne plus de population anglophone que la langue maternelle. Donc, pour les cégeps, on parle de la langue maternelle. Même chose pour le système scolaire primaire et secondaire. On parle toujours de langue maternelle. C'est les seules données qu'on a. Et c'est les données que le ministère de l'Éducation utilise. Donc, pour l'éducation, ça, c'est un problème assez important au primaire et secondaire pour la communauté anglophone. Et bientôt, dans les cégeps, ça va s'enclencher là, en 2 ans, 3 ans, et là, ça va avoir un impact sur le système des cégeps. Les cégeps, c'est 5 cégeps anglophones et 43 cégeps francophones. Donc, on a des disparités là, assez importantes. C'est entendu que c'est la majorité des cégeps qui sont francophones, c'est normal. Donc ça, ce sont des éléments dans le monde de l'éducation qui ont eu un impact assez important. Des fois aussi, dans le système de santé, les hôpitaux ont des statuts bilingues. Hein? Il y a des hôpitaux unilingues francophones, il y a des hôpitaux à statut bilingue parce qu'il y a une proportion dans la population qui sont, par langue maternelle, des anglophones. Mais à mesure que la population des régions décroît ou dans même certains quartiers, des hôpitaux peuvent perdre leur statut bilingue. Et ça, ça peut être un problème pour les minorités anglophones et allophones. Et ce sont les deux piliers, hein, l'éducation et la santé. C'est ça qui coûte le plus cher au gouvernement. Merci. Okay, merci. Merci, Madame la sénatrice. Madame la sénatrice Gagné, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président, et merci aux témoins ce soir. Votre présence est vraiment appréciée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera en mesure de me faire part, savoir si la croissance du nombre et la proportion de la population anglaise du Québec découle essentiellement de l'immigration internationale ou celle de la mobilité interprovinciale? Non. Moi, je ne suis pas. En fait, ces questions démographiques, moi, je pense que je laisserai plutôt mes collègues parler. Mm-hmm. Ce n'est pas mon champ précis de recherche. Mais c'est sûr, je pense que dernièrement, on voit quand même une croissance qui est due aussi à l'immigration. Et je reviens encore à toutes ces catégories. On parle souvent de résidents permanents, mais on oublie qu'il y a des programmes pour attirer des travailleurs hautement qualifiés en aérospatial à Montréal. Et je crois que la question de la langue, on veut chercher là des personnels hautement qualifiés. Et donc, il y a toutes sortes de voies d'accès à la résidence permanente qui commencent aussi comme des formes temporaires. Et on voit donc là des statuts. Il y a une multiplication des statuts. On a vu les données il n'y a pas longtemps. On parle de 50 000 résidents permanents, mais on est au-delà des 120 000, 130 000 migrants temporaires quand on pense à toutes les catégories. Merci. Quelqu'un d'autre veut... Oui, M. Boris. Oui, je pourrais dire, sur la migration interprovinciale, indépendamment de l'immigration internationale, OK?
On a des chiffres là-dessus assez connus. Alors, pour donner une idée, entre 1966 et 2016, il y a eu 527 000 personnes de langue maternelle anglaise qui sont parties du Québec pour les autres provinces canadiennes. Donc, 500 000, 527 000. OK? Sur le cumul de ces années-là. OK? Maintenant, il y a eu aussi chez les allophones, les personnes qui n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle, qui peuvent aussi être trilingues, allophones, donc une langue, l'espagnol, français, anglais, qui sont partis du Québec. Et sur ces mêmes années-là, il y en a 120 000 qui sont partis du Québec. Et là, on ne parle pas juste partis du Québec, mais par rapport à ceux qui sont venus au Québec. Dans les deux chiffres que je vous donne là, sur le 500 000, on fait la différence entre le nombre d'anglophones qui sont venus au Québec des autres provinces canadiennes moins ceux des anglophones qui sont partis vers les autres provinces canadiennes. Et c'est toujours plus d'anglophones du Québec qui partent du Québec que ceux qui viennent. C'est pour ça qu'on arrive à 527 000 de pertes nettes d'anglophones qui sont partis du Québec. Mais c'est la même chose aussi pour les allophones à 120 000. Et pour vous donner une idée, là, n'oubliez pas qu'on arrête à 2016. Je n'ai pas regardé les chiffres de 2021. Même chez les francophones, il y a une perte nette de 57 000 francophones qui sont allés s'établir ailleurs au Canada par rapport aux francophones, naturellement, qui sont peu nombreux, qui sont arrivés des autres provinces canadiennes comme les Acadiens ou les Franco-Ontariens au Québec. Donc, en général, il y a eu durant cette longue période-là une exode, ou enfin une perte d'anglophones beaucoup plus importante chez les anglophones que chez les francophones et les allophones. D'accord. Je crois que c'est Monsieur Jedwad qui a parlé de l'expérience, la qualité de l'expérience de l'immigrant. Est-ce que j'ai raison? Oui, j'ai dit simplement que on entend les demandes ou les besoins de la société d'accueil et le gouvernement qui s'exprime en termes de ce qu'on veut des immigrants, mais on n'écoute pas d'assez près qu'est-ce que veulent les immigrants qui arrivent ici. En termes d'intégration, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte, que c'est un voie à deux, si on veut, two-way street. Ça va dans les deux sens. C'est une réconciliation entre les nouveaux arrivants et la société d'accueil, oui. Et non pas strictement les besoins de la société, le désir de la société d'accueil. Et les immigrants ont des caractéristiques diverses qu'il faut tenir en compte dans leur intégration. C'est pas une intégration qui est unidimensionnelle, mais multidimensionnelle. Est-ce qu'il y a eu des études faites sur justement l'expérience de la personne qui décide de s'établir au Québec, à savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'il souhaite rester et qu'il s'intègre à la société? Il y a des études, et même des études effectuées par le gouvernement du Québec. Et justement, on a constaté que en termes de migration interprovinciale, à laquelle M. Boris a parlé, on a fait une étude qui démontrait qu'après 9 ans, il y a eu quand même une immigration secondaire assez importante, des gens qui s'installent au Québec et décident, dans un laps de temps de 9 ans, de quitter le Québec. Disproportionnellement, c'est des personnes qui ne parlaient pas le français. Alors, il faut effectivement conclure que les programmes de francisation sont importants. Mais il y a d'autres qui parlaient le français qui aussi, dans ce laps de temps, quitté pour d'autres provinces. Ceci dit, juste pour compléter ce que M. Boris a dit, dans les chiffres récents, il y a pour la première fois depuis 50 ans un peu de stabilité en termes de migration interprovinciale pour le Québec en général, pas juste pour les anglophones, qui fait que l'augmentation que j'ai mentionnée tantôt dans 5 ans de la population anglophone a été réalisée, était assez étonnant, même si ce n'est pas énorme. C'était fonction de l'immigration, notamment
permanent et temporaire. Mais quand on parle de 30 000 personnes dans 5 ans, on parle de 6 000 personnes par année, qui n'est pas énorme, pas du tout, mais c'était traité comme une très, très importante augmentation par ces 5 % en termes de pourcentage. Le seul, comme on sait au Canada ainsi qu'au Québec, c'est l'immigration qui est pratiquement le seul apport à la population en termes de l'augmentation des effectifs à travers le Canada. Alors, la seule façon pour la communauté anglophone d'augmenter, c'est à travers l'immigration. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour l'ensemble de la population du Québec ainsi que pour la population francophone. Merci. Merci, merci pour vos réponses. Merci, Madame la sénatrice Gagné. Madame la sénatrice Pension. Merci, Monsieur le Président. Puis je voudrais vous remercier les trois témoins, puis même ceux qu'on a eus auparavant. Ils nous portent à réfléchir beaucoup par rapport aux propos que vous présentez, par rapport à la situation du Québec et par rapport, pour les anglophones, les allophones du Québec, par rapport aux francophones qui sont à l'extérieur du Canada, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes entre ce qui est vécu dans votre province par rapport à nous qui sommes minoritaires dans d'autres provinces au Canada. Puis il y a certaines questions que j'ai sur, par exemple, pour M. Boris, c'était lorsque vous avez parlé de gens qui ont quitté le Québec, puis vous avez parlé de pertes d'anglophones et d'allophones qui ont quitté le Québec pour s'en aller dans d'autres provinces. Est-ce qu'il existe des données par rapport à la raison pour laquelle ces gens-là ont quitté? Parce que ce qui est important de savoir, c'est que dépendamment de la situation économique de notre pays, on sait qu'à certains moments, il y a beaucoup, beaucoup d'immigration parce qu'il y a des emplois qui sont disponibles dans d'autres provinces qui ne sont pas disponibles, par exemple, dans la province où on demeure. Et on s'aperçoit présentement qu'avec le taux de plein emploi qui est connu partout au Canada et même de manque de main-d'œuvre, les gens vont avoir tendance à plutôt rester dans leur milieu parce qu'il y a du travail, économiquement, ils sont capables de fonctionner. Fait que je voudrais savoir si vous avez de l'information peut-être plus concrète par rapport à ça. Est-ce que je peux dire quelque chose après toi, Jack, ou avant? Allez-y, M. Boris. Pour la moyenne, les grands chiffres que les économistes utilisent depuis longtemps, c'est l'écart entre l'opportunité d'emploi et la rémunération, qui est le meilleur prédicteur des transferts des populations interprovinciales. Je ne parle pas des immigrants internationaux, je parle juste interprovinciales. Donc, les personnes qui ont la citoyenneté canadienne, comme vous l'avez dit, on va aller dans la province qui va nous donner des meilleurs emplois et des meilleurs salaires. Ça, c'est le meilleur prédicteur pour les économistes. Quand on fait des études un petit peu plus qualitatives et on demande aux gens, mais là, on n'a pas énormément d'échantillons énormes. Moi, j'en avais fait une étude avec, j'avais regardé les étudiants de l'Université McGill qui étaient nés au Québec, comparé aux étudiants qui étaient anglophones. Et quand on leur demandait, mais pourquoi vous voudriez aller en dehors du Québec? Bien, la première raison, c'était parce qu'on veut avoir un meilleur emploi à l'extérieur du Québec. Et aussi, il y avait la question, on a des personnes qu'on connaît, notre ami, notre famille qui est dans le reste du Canada quelque part, puis là, je vais aller pour des raisons socio-affectives. Et une certaine proportion, c'était statistiquement réaliste, disait, bien, parce que je me sens moins confortable au Québec que quand en tant qu'anglophone né au Québec. Ça, c'était juste des anglophones qui étaient nés au Québec et dont les parents étaient nés au Québec. Il y en a qui disaient qu'on se sent moins à l'aise au Québec, alors on va dans une autre province. Mais c'est dans cet ordre-là de priorité qu'ils sont partis. Chez les francophones qui désiraient partir du Québec, c'était surtout pour l'emploi et aussi des relations socio-affectives. Naturellement, il n'y avait pas de souci
par rapport à la discrimination, ils étaient majoritaires au Québec. Donc, c'est un peu ces deux éléments-là, on pourrait dire, qui sont les plus importants. Un meilleur salaire, un meilleur emploi et se joindre à quelqu'un de socio-affectivement cher et important. Et pour certains, une question d'inconfort. Alors, c'est un peu ce qu'on peut dire sur les raisons que moi, je connais. Bien, je vous remercie. C'est quand même c'est intéressant parce que ça peut se prêter aussi à d'autres personnes qui choisissent de quitter une province, par exemple anglophone, pour s'en aller dans une autre province anglophone. À un moment donné, ce n'est plus un facteur de langue, mais peut-être d'emplacement ou d'emploi ou de situation c'est économique. C'est ça. La prochaine question, et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui l'a mentionné, je n'ai pas nécessairement pris le nom d'un de vous trois chercheurs, mais qu'est-ce qui motive une personne qui a choisi le Québec comme premier lieu d'immigration? Puis, peu importe la langue, parce que vous avez parlé d'espagnol, vous avez parlé de gens qui ont parlé dans l'autre panel, le chemin Roxham et tout ça. Fait, qu'est-ce qui fait que les gens vont choisir le Québec comme premier port d'entrée, si on veut, et qui va... Puis, vous avez expliqué pourquoi les gens quittent. Mais pourquoi ils choisiraient le Québec en premier et pas le reste du Canada? Ben, je vais peut-être y aller. En fait, l'immigration, c'est une stratégie d'attraction aussi. Donc, le Québec est très présent sur le marché international de l'immigration par des mécanismes qui visent à recruter, à faire de la promotion, même avant même de faire du recrutement, on parle de promotion, les journées du Québec à Paris, les journées du Québec à Bogota, les journées du Québec à Marrakech, à Rabat, en Asie, en Inde, je veux dire, le Canada le fait aussi. Donc, toute la mécanique, toute la machine promotionnelle et d'attraction, c'est très important pour attirer donc des immigrants. Là, je parle peut-être plus d'immigrants économiques, les universités font la même chose. Et en même temps, tout ça, ça s'est aussi complexifié aussi avec le rôle des employeurs au Canada, au Québec. On voit beaucoup maintenant les employeurs être beaucoup plus présents à la table, qui vont demander, réclamer, exiger qu'on augmente les seuils, qu'on augmente, qu'ils vont parler, le patronat. Donc, tout ça, ça joue ensemble. C'est une mécanique importante qu'il faut comprendre. Mais je dirais qu'il y a ça. Puis de l'autre côté, oui, vous parlez de Roxham. Vous parlez de... Moi, actuellement, je fais une recherche au chemin Roxham. J'accompagne un collectif de citoyens anglophones à Hemingford, en Montérégie, des femmes qui viennent, qui traversent la frontière pour aider des migrants à passer ce passage irrégulier. Mais en même temps, c'est un geste de solidarité. C'est une autre catégorie. On ne les veut pas nécessairement. On aimerait ne pas les voir. On aimerait les rendre invisibles. Mais sur le terrain, il se passe tellement de choses. Hein. C'est un peu mon message. Moi, je suis moins dans les chiffres. Je suis moins dans les grandes tendances. Moi, je suis vraiment sur l'expérience, sur le terrain. Et que ce soit en immigration francophone ou ce qui se passe aussi au Québec avec... avec la réalité anglophone, il y a des acteurs qui font beaucoup de travail aussi sur le terrain pour essayer d'accompagner, pour accueillir, pour intégrer ces personnes qui choisissent de venir au Québec. Merci. Très intéressant. J'en ai une. Oui, allez-y. Monsieur Jedwab, je crois. Je ne veux pas massacrer votre nom. Là. Je m'excuse. Oui, allez-y. Si vous avez parlé du two-way street pour les immigrants qui arrivent au Canada et qui ont certaines attentes par rapport au pays qu'ils quittent et leur terre d'accueil. Et vous avez mentionné qu'ils ne retrouvent pas nécessairement, ils ne se reconnaissent pas
dans la nouvelle société qu'ils intègrent. Puis je crois, en tout cas, si je quittais le Canada, disons que je m'en allais au Portugal, comme immigrante, je n'aurais peut-être pas les mêmes attentes de retrouver une société aussi accueillante là-bas et qui va vouloir reconnaître mes droits, et etc. Fait que ce côté de votre... puis peut-être que je me trompe, là. Je vois votre visage en disant... Je veux vous entendre un peu plus là-dessus. Oui. Non, ce que je voulais dire, je n'ai pas dit qu'ils ne se retrouvent pas dans la société. Ça se peut qu'ils ne se retrouvent pas dans la société, dépendant des mesures ou des lois ou autres qui sont adoptées par les gouvernements qui peut parfois à l'air de les exclure. Mais je voulais simplement dire que l'immigration, c'est un processus. L'intégration, c'est un processus d'adaptation. Ce n'est pas nécessairement d'adaptation immédiate. Ça dépend de la caractéristique de l'immigrant. Et c'est pourquoi il faut reconnaître la diversité de ces caractéristiques dans le processus de l'intégration que j'ai dit n'est pas unidimensionnel. Alors, tout ceci dire que c'est une adaptation, mais c'est aussi une adaptation pour la société d'accueil en termes de mieux comprendre les besoins de l'immigrant et en termes de voir comment mieux inclure l'immigrant tout en tenant compte de cette diversité que constitue l'immigration. Alors, c'était plutôt de ça que j'ai parlé. Et permettez-moi de faire une petite publicité pour une initiative de mon organisme qui s'appelle l'Indice canadien de mesure de l'intégration, ICMI, qu'on peut voir sur notre site web et qui démontre les écarts entre immigrants et non-immigrants dans 35 RMR à travers le Canada en termes de quatre dimensions. Alors, on voit l'écart en matière économique, tout en tenant compte des caractéristiques sociodémographiques. Alors, on va mesurer ou comparer les pommes et les pommes, si on veut. Et je trouve ceci très intéressant pour votre comité en termes de voir un peu où l'intégration économique et d'autres autres dimensions de l'intégration fonctionnent mieux au Canada. Alors, justement, ceci est basé sur cette idée que c'est un « two-way street ». L'intégration, et il faut voir où sont ces écarts en matière de, par exemple, revenus quand on prend l'immigrant avec les mêmes caractéristiques que le non-immigrant. Alors, je vous invite à regarder ça si vous avez la possibilité. Merci. Merci, Madame la sénatrice. Alors, on s'achemine vers la fin de ce panel. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Je vais vous demander d'être assez bref compte tenu du temps qu'il nous reste. En fait, je rappelle que donc, nous menons une étude sur l'immigration francophone en fonction du développement d'une stratégie sur l'immigration francophone. On cherche à comprendre quel est l'impact d'une stratégie sur l'immigration francophone sur les communautés anglophones minoritaires au Québec. Vous avez parlé, chacun d'entre vous, vous avez, M. Belkodja, vous avez parlé notamment de la question de la vitalité. M. Bourris, vous avez parlé de l'impact des décisions du gouvernement du Québec sur l'érosion des institutions, notamment du côté des minorités anglophones. Et M. Jadwa, vous avez parlé beaucoup de sensibilisation. Alors, à votre avis, quelle action le gouvernement fédéral, puisque c'est ça dont il s'agit ici, quel rôle le gouvernement fédéral devrait-il avoir pour notamment agir sur la question de la vitalité dont vous avez parlé, M. Belkodja, sur la question de la sensibilisation dont vous avez parlé, M. Jedwab, et sur la question des enjeux qui touchent les actions du gouvernement du Québec, M. Boulris, là, sur la communauté anglophone du Québec. Alors, c'est ma question pour vous trois. Alors, je vous invite à répondre, peut-être, si vous voulez commencer, M. Belkodja, et ce sera suivi de M. Boulris et de M. Jedwab. Je crois que rapidement, ça serait de s'engager vraiment à reconnaître cette réalité d'une dynamique d'immigration au sein d'une communauté minoritaire, donc de reconnaître qu'il y a bel et bien sur le terrain des choses qui se passent en milieu urbain, dans certaines régions du Québec. Il y a des acteurs communautaires, surtout, qui font déjà beaucoup de travail. Il y a des organismes à Montréal qui offrent des cours de conversation en anglais. Il y a une réalité quand même de cette immigration qui n'est pas seulement peut-être l'image qu'on a peut-être d'un message très politique, d'une posture politique de la province, du gouvernement.
Et je crois aussi, moi, je tiens beaucoup à rappeler la transférabilité des expériences du projet de la stratégie nationale en immigration francophone, donc de voir qu'il y a des actions et des initiatives dans cette stratégie qui peuvent se transférer aussi au Québec. Et je reviens encore avec ce modèle des communautés accueillantes ou d'immigration en région rurale ou de créer en fait un écosystème avec multiples acteurs qui se préoccupent donc de donner une vitalité à leur communauté et aussi d'accueillir de façon humaine tous les migrants qui viennent s'installer. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse. Monsieur Bouris, pardon. Oui, alors, un autre exemple, justement, de ce que les gens font sur le terrain, on a aussi des jumelages interculturels qui ont commencé à l'UQAM. On avait des étudiants étrangers, des nouveaux immigrants qui apprenaient le français. Et puis, ils avaient du mal à rencontrer des Québécois francophones, même à l'UQAM, tout simplement parce que les réseaux étaient étanches. Alors, on a créé des jumelages interculturels entre des immigrants qui apprenaient le français et des Québécois francophones qui sont à l'UQAM pour faire des rencontres de 2 heures, 3 heures dans le cadre des cours qui étaient déjà donnés. Je peux dire que l'accueil et la transformation des étudiants québécois francophones qui ont rencontré des immigrants et qui ont entendu leur parcours migratoire, ça fait un effet incroyable qui les aide à mieux accueillir les immigrants parce qu'ils comprennent mieux ce qui est arrivé aux immigrants. Et les immigrants eux-mêmes sont ravis de finalement rencontrer des Québécois et plusieurs ont fait des amitiés, etc. Et donc, les contacts interpersonnels qu'on peut créer entre les immigrants et on le fait aussi entre les cégeps francophones et anglophones et la surprise est aussi grande. « Ah, les anglophones sont gentils, les anglophones disent « Ouais, on est pareil, on a plus de choses en commun que de choses différentes. » Alors, on les fait même entre les cégeps francophones et anglophones. Tout ça pour dire que les contacts interpersonnels dans des situations qui sont effectivement agréables ont un effet très positif pour tout le monde. Merci, M. Bouris. Alors, pour conclure, M. Tchatouab. En 2001, le commis sur langue spéciale Diane Adam m'a demandé de faire une espèce de roadmap sur l'immigration et l'épanouissement des comités de langue officielle au Canada. J'ai écrit pour le commissariat aux langues officielles à l'époque ce roadmap, si on veut, pour le supporter la vitalité de l'immigration et notamment l'immigration francophone. C'est intéressant que Mme Adam a choisi une anglophone du Québec pour écrire ce document. Je mentionne ça simplement pour souligner qu'il faut embarquer les anglophones du Québec dans le processus de voir s'ils sont prêts, et je suis convaincu qu'ils sont prêts à prêter leurs expériences et leurs connaissances en matière d'immigration et en matière d'accueil. Ils ont vaste expérience à cet égard pour supporter les francophones hors Québec et ne pas les positionner comme des adversaires, ce qui est trop souvent le cas au Québec. D'accord, mais merci beaucoup. Alors, M. Belkodja, M. Bouris, M. Tchatouab, merci beaucoup, beaucoup pour votre contribution à ce comité. Vos réflexions, vos commentaires, vos informations vont nous être utiles vraiment pour conclure cette étude qui, on s'achemine d'ailleurs vers la fin. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence ici et de votre contribution à la société canadienne et québécoise. Alors, merci. Et puis, chers collègues, nous allons poursuivre à huis clos pour la suite de nos travaux. Merci. Est-ce que je dois faire ma lune?